pour une vidéo que j'avais fait il y a 15 jours. Mais je vous explique, en fait, il faisait une chaleur incroyable et genre ça donnait ceci. Il fait très chaud. Donc je disais, il fait extrêmement chaud. Donc excusez-moi, mais je bois de l'eau. Juste la quatrième bouteille que je descends, que je bois en moins de deux. Et quand c'est de l'eau, c'est pas grave. Voilà. Et entre deux, j'ai été refaire du shopping. Donc je me suis dit, vu que je suis tombée dans les pommes durant cette vidéo, eh bien je vais refaire la vidéo. J'étais refaire du shopping, donc bah, là j'ai beaucoup de produits à vous présenter, donc j'espère que la caméra ne va pas couper. Donc je vais me dépêcher, je vais commencer de suite. Et oui, j'ai été au coiffeur, voilà. Donc on commence de suite par Kiabi. Donc j'étais à Kiabi, donc ça c'était déjà dans l'ancienne vidéo. J'ai acheté ces deux, enfin, ces deux petites paires de chaussures, non, cette paire de chaussures. J'ai les mêmes à mes pieds actuellement, en marron, voilà. Donc voilà, je les ai eu pour 6€. 6€, voilà, exactement, taille 40, voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté, c'est... J'ai eu cette petite veste. Je suis désolée, ils sont complètement retournés parce que vu que j'avais déjà fait le haul et que finalement, et eh ben, c'était une vraie catastrophe. Et ben, ça fait que du coup, ben, voilà. Donc, j'ai acheté cette veste et franchement, la couleur... Ça peut, enfin, ne pas plaire, mais moi personnellement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça original. Et en plus j'ai eu à moins 40%, à la base il coûtait 20€, donc moins 40%, ça fait 12€ environ. Donc ça va, c'est pas... Et je trouve que pour le début de l'automne c'est vraiment sympa. Ensuite, petite parenthèse, ce haut que je porte sur moi, je l'ai eu chez... Donc je l'ai acheté hier. Donc c'est du taille 1. Et donc je l'ai payé, c'était chez Cash Cash, je l'ai payé 7,50€. Donc voilà pour le petit haut, voilà. Si vous voulez voir, voilà à quoi il ressemble. Je sais pas comment vous me voyez, donc je me lève un petit peu. Voilà. Donc j'ai acheté ce gilet là, donc je l'ai eu pour 17,50€, donc c'est une taille unique. Et pareil pour le début de l'hiver, ou bien pour les soirées d'été, en fin d'été, mais bon, vu que pour le début de l'hiver. Pour le début de l'automne, voilà, il est juste super joli, donc les petits motifs à fleurs, voilà. Donc c'est une taille unique et j'ai payé 17,50€, toujours chez Kiabi. Voilà, alors, on va continuer dans un ordre. J'ai été chez Micromania. Qui dit Micromania dit forcément Funko Pop. Donc j'ai acheté le Harry Potter en mode Quidditch. Donc c'est la nouvelle collection qui est sortie il y a 2-3 mois je crois. Donc toujours au prix de 14,99€. Et voilà, il est trop beau. Encore un en plus dans la collection. Voilà. On va continuer dans l'ordre. On va continuer dans les vêtements. Donc j'ai été chez Camailleux. Et j'ai acheté cette paire de collants opaques parce que vous avez mon amour pour les collants opaques. Donc j'ai acheté ces collants opaques parce que les miens, ils ont tenu 2 ans donc bon. Ils sont tous troués donc du coup j'en ai acheté des nouveaux et j'aurais mis grave la pression parce que j'aurais dit si je les ai payés cher et ils craquent en moins de 2, et ben je n'irai plus à Camailleux. J'ai mis la pression à la vendeuse. Voilà, donc je les ai payés combien? Donc c'est un taille 2, donc taille M. Je les ai payés 7€, enfin 6,99€, voilà. Bon, je me suis dit il vaut mieux mettre le prix plutôt que de racheter toujours des collants, voilà. Donc toujours chez Camailleux, j'ai trouvé une jupe pour l'hiver, juste, voilà, trop jolie. Elle est juste trop magnifique. C'est franchement, une jupe comme ça, j'en cherchais depuis un moment. Et donc, c'est du M, je l'ai payé 19,99€. Et donc, elle est super jolie, elle est bien élastique, donc voilà.
Oui, ne vous inquiétez pas, il y aura un lookbook prochainement. Voilà. Donc ensuite, on continue toujours dans les mains. Après, on va passer aux cosmétiques dans quelques instants. J'ai acheté, donc là, c'était chez qui? C'était chez Bonobo. Donc Bonobo, voilà. Donc j'ai acheté ce petit pull parce que j'ai pas de rouge en fait. J'ai pas de rouge dans les pulls. Et j'ai vu ce pull, j'ai dit, mais il est trop joli. J'aime beaucoup, c'est en fait, c'est derrière, là on voit les petits trous. Ça fait, c'est super joli, j'aime beaucoup. Et à ce qui paraît, le rouge est à la mode cette année. Vous me direz si c'est vrai ou pas. Donc j'ai payé toujours, donc c'est du S. Vu que j'ai vu qu'il était assez ample, je me suis dit, du S normalement je passe dedans. Et donc, je l'ai payé 19,99€. Voilà. Donc, on continue. Donc, j'ai acheté un autre maillot qui, apparemment, la couleur va être super tendance cet hiver. Donc, ça, c'est chez... Chez qui donc? Je crois que c'est chez Mime. Oui, c'est chez Mime, exactement. Donc, ça faisait perpète les galettes que j'avais pas été chez Mime. Et donc, j'ai acheté ce maillot-là juste... Donc en fait, vu comme ça, il a l'air tout basique. Mais c'est juste pour un détail, c'est pour les petits lacets qui sont derrière. En fait, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. J'en ai pas comme ça chez moi. Et pour les petits froufrous là en bas, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et oui, j'ai à peu près le même maillot, mais en plus foncé, je crois, en plus violet. Et j'ai trouvé que le mélange de rose-violet, rose pâle violet, je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, donc je l'ai payé toujours 19,99€. Je suis en train de faire les calculs dans ma tête, je me dis que ma carte bancaire a vraiment fumé. Donc maintenant on va passer, oui, parce que vous voyez le gros sac Yves Rocher, donc forcément j'étais à Yves Rocher. Mais on va passer d'abord à la marque Kyotis. Donc chez Kyotis, alors c'est là. Chez Kyotis, alors j'ai acheté cette crème, donc je m'excuse à l'avance, ça va vous éblouir. Donc c'est un spécifique soin jeunesse, soin ultra lift de jour. À la base d'huile essentielle de cèdre. Voilà. Bon, j'ai plein de crèmes de chez Yves Rocher, donc concrètement je suis pas prête de l'essayer. Mais voilà. Ensuite, donc toujours dans... En fait j'ai acheté les deux, les deux produits qui vont ensemble en fait. J'ai acheté le spécifique jeunesse roll-on tonifiant anti-fatigue regard. Alors ce truc là, je l'avais présenté dans mon haul qui ne sera pas diffusé parce que concrètement, et ben voilà, j'avais ultra chaud, je disais n'importe quoi. Donc je l'ai déjà testé plusieurs fois et je vous jure, oh, je vous en parlerai dans mes favoris. Voilà. Donc autre produit de chez Kyotis, vous reconnaissez le packaging, c'est le mascara de chez Kyotis, sauf qu'il est brun, donc il est marron. Donc voilà, donc toujours la même brosse hein, voilà, la brosse est ainsi, donc toujours de chez Kyotis. Voilà, je l'ai essayé une fois et je crois que j'ai trouvé vraiment sympathique comme couleur. Donc excusez-moi pour la salissure de ce produit. Ce n'est pas un gloss, c'est un ombre à paupières en fait, c'est une crème pour les yeux en fait. Et donc c'est couleur sabrée, voilà, comme ça. Et je pense que je vous ferai un maquillage, avec encore du seulement du Kyotis. Ah non, c'est sur la chaîne Elodie, je confonds. Je ferai une vidéo spéciale qu'avec du maquillage Kyotis. Voilà. Voilà. Donc ensuite, j'ai été chez Yves Rocher, mais pas au même Yves Rocher que d'habitude. Donc c'est formidable. Je m'en suis sortie pour 27€. Donc ce que j'ai eu en cadeau, parce que vous savez que j'ai la carte de fidélité. J'ai eu en cadeau, alors un petit bloc-notes comme ceci. Donc ils sont super jolis je trouve. Bon il n'y a pas grand-page mais bon, on va pas cracher dessus. Et je suis trop contente parce que j'ai eu un agenda. Alors l'agenda direct, ça va être pour programmer mes vidéos parce que... Vous allez le voir dans la prochaine vidéo, ou dans la vidéo précédente. Il y a une nouvelle catégorie de vidéos qui va arriver, et concrètement, plus la chaîne avec Elodie, plus mes propres vidéos à moi, l'agenda il va être utile. Voilà. Donc voilà. Il devait y avoir le stylo qui va avec, mais il n'y avait plus de stylo. J'ai dit, c'est pas grave, des stylos, j'en ai plein chez moi, j'ai pas craché.
faire un chipotement pour un stylo. Voilà. Donc là, bon, on va passer au plus intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai acheté chez Yves Rocher? Donc vous vous rappelez que j'avais passé une commande chez Yves Rocher sur internet. Donc j'avais acheté le lavandin mûr, bain douche relaxant. Donc je l'ai racheté en grand format parce que je l'avais juste kiffé. Et j'ai terminé les deux petits packaging. Voilà. Donc voilà, je l'ai racheté en plus grand format. Donc au prix de je ne sais plus combien. Je ne sais plus, pas cher. Pas cher. En plus j'en ai eu pour 27,50€ pour tout ce que je vais vous présenter. Ensuite, un produit que je n'avais jamais vu, je ne sais pas vous, est-ce que vous connaissez ce produit? Donc c'est un anti-repousse en fait, c'est une mousse hydratante anti-repousse racine scutellaire, toute peau, sans huile, minérale, sans parabène, anti-repousse, hair inhibitor. Donc en français ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Nanana, la peau est hydratée, douce, nette et sans imperfection, poils sous la peau, pour longtemps les poils repoussent plus lentement. Donc plus court, moins et moins nombreux. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, on va tester. Je crois que ça doit être une nouveauté parce que j'ai jamais vu sur aucune vidéo YouTube ce genre de produit. Donc voilà, donc si je vous fais découvrir un truc, vous me mettez un petit pouce en l'air. Donc voilà, on va tester puis on verra. Donc c'est un anti-repousse, c'est pour les poils en fait, c'est pas pour les cheveux. Voilà. Ensuite, donc celui-là je l'ai eu en double, donc j'en ai filé un à la mère. Celui-là donc c'est l'Hydra Végétal, donc c'est un gel nettoyant, fraîcheur, sève végétale, hypoallergénique. Voilà. Donc peau normale à mixte, bon c'est pas du tout mon type de peau, mais bon j'ai envie de dire c'est pas grave. On dirait que le machin il a été à moitié vidé. Bref, ce gel frais débarrasse instantanément la peau de toutes les impuretés et traces de maquillage. Appliqué matin et soir sur visage humide, masser délicatement puis rincer. D'accord, donc en fait c'est un truc à faire tous les jours. D'accord, c'est pas grave. Donc voilà, donc celui-là je l'ai eu en double, mais j'en ai donné un à ma mère parce que j'en avais eu un acheté, un gratuit, donc j'ai donné à ma mère. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ce petit cube de bain, donc toujours à la lavande et à la mûre pour prendre mon bain. Je me dis ça sert un peu à rien parce que je prends quasi jamais de bain. Donc j'ai eu pour 1€ parce que je ne savais pas quoi prendre, donc j'ai pris ça, voilà. L'achat compulsif inutile, voilà le truc de bain. Donc voilà, je me suis dit ouais pourquoi pas tester, on va essayer hein. Donc un jour il faudra que je me fasse couler un bain, voilà. Donc c'est toujours à la lavande et à la mûre comme, comme le gel douche en fait, j'ai eu dans le même rayon. Donc c'est de la même gamme. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite alors j'ai acheté ce spray là, donc c'est un spray pour les cheveux, c'est un spray coiffant texturisant cheveux fins, extrait de mauve sans silicone. Donc en fait c'est pour faire du volume, donc que j'ai pas encore testé hein, parce que j'ai été hier faire le shopping, donc voilà. Je vous dirai mon avis, ce que j'en pense. Donc qu'est-ce que c'est marqué? Les cheveux sont comme regonflés et regagnent en volume dès la racine. Pour plus doux, ils sont faciles à mettre en forme. Appliqué sur cheveux mouillés ou secs au moment du coiffage. Vaporiser à tête baissée, sécher ou coiffer. Ne pas rincer si le diffuseur de se bouche passé sous l'eau chaude. Voilà, donc j'ai testé parce que vous savez que moi et mes cheveux, avoir les cheveux volumineux c'est mon kiff. J'adore ça. Voilà. Donc je pense que ça va être mon nouveau copain. Je vous dirai des nouvelles. Donc celui-là j'ai eu à moins 50%. Ensuite, j'ai eu 3000 pétales. Donc il y en a un que j'ai. En fait, ça a été un. J'ai acheté le sexe pulpe en mascara. Enfin, je l'ai avec mes points. En fait, j'avais pris le mascara sexe pulpe pour 1500 points. Et il me restait encore 1500 points. Donc vous savez que j'ai pris le parfum Evidence il y a un moment, ça fait très longtemps. Et donc là en fait j'ai pris le lait parfumé de chez Evidence. Et franchement, on va y arriver. L'odeur c'est exactement la même que le parfum. C'est juste une tuerie. Et franchement,
J'ai hâte de le tester. Voilà. Comme si des nez pour le corps, j'en avais pas déjà des mille et des cents. Mais bon, c'est pas grave. Et enfin, donc, j'ai eu ce petit échantillon. Donc, c'est un shampoing. C'est un shampoing brillance intense, cheveux ternes. Bon, vu la couleur de mes cheveux, je crois pas qu'ils sont si ternes que ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je le testerai quand mes cheveux seront ternes. Voilà. Donc voilà, donc j'ai juste acheté tout ça, c'est tout à fait raisonnable. Oui, c'est fini. Donc voilà, donc je tenais à remercier Yves Rocher de chez Lan, parce qu'ils m'ont fait découvrir que en fait, les cartes, surtout méfiez-vous, les cartes de chez Yves Rocher, c'est marqué seulement bon dans la boutique de telle ville. Et en fait, non, toutes les cartes sont valides dans toutes les boutiques de chez Yves Rocher de toute la France. Voilà, donc je tenais à vous le dire, à vous le signaler, parce que moi pendant plus de 6 mois, j'allais toujours au même Yves Rocher. Donc concrètement, ça fait que j'avais tout le magasin chez moi. Et donc concrètement, bah, je voulais plus aller chez Yves Rocher. Et donc hier, j'ai été chez Yves Rocher. Non seulement j'ai eu un sac gratuit alors qu'à Saint-Quentin, on doit le payer. Et en plus, il est super grand, super pratique, voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je voulais vous proposer comme idée vidéo? Je voulais vous proposer une idée vidéo par rapport à ma perte de poids, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai perdu 20 kilos en 8 mois. Donc je voulais savoir si ça vous intéressait de savoir le pourquoi du comment j'ai fait, voilà, parce que tout le monde me demande comment j'ai fait. Donc est-ce que vous voulez une vidéo? Donc si vous voulez une vidéo, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et je vous dirai le pourquoi du comment j'ai fait pour maigrir, parce que même moi je comprends pas. Voilà, donc voilà, donc vous me le dites en commentaire et je pensais faire cette vidéo qui sortira un jeudi. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao.